pirate. Texte, Juliette Valéry. Illustration, Olivier Huette. Maison d'édition, Lito. Au cœur de l'océan, il y a une île. Une toute petite île de sable blanc. Sur cette île, il y a un palmier géant couvert de fruits appétissants. Sous ce palmier, il y a un pirate. Un petit pirate haut comme trois pommes, assis sur un tonneau de rhum. Et ce pirate, c'est Tom. Tom n'est pas bien grand, mais ses rêves sont immenses. Immenses comme l'océan. Chaque matin, Tom se dit en se levant. Quelque part sur cette mer, il y a un trésor de roi. Rien que pour moi. Pour le trouver, il faut que je devienne un pirate. Un vrai. Pour être un vrai pirate, se dit Tom, il me faudrait un bateau. Tom regarde dans sa longue vue. Pas de bateau en vue. Soudain, l'océan se met à trembler. Tiens, on dirait la coque d'un bateau. Mais non, c'est Joe, le cachalot. Que fais-tu, petit bonhomme, seul sur ce tonneau de rhum? Je cherche un bateau. Monte sur mon dos, dit le cachalot, et je serai ton bateau. Ah, oh, c'est cool! Pour être un vrai pirate, se dit Tom, il me faudrait un drapeau. Tom regarde dans sa longue vue. Pas de drapeau en vue. Soudain, l'air se met à vibrer. Tiens, on dirait un drapeau blanc. Mais non, c'est Gaëtan le goéland. Que fais-tu, petit matelot, sur le dos de ce cachalot? Je cherche un drapeau. Emmène-moi avec toi, dit l'oiseau, et je serai ton drapeau. Pour trouver mon trésor, se dit Tom, il me faudrait la carte d'une terrible bande de pirates. Tom regarde dans sa longue vue. Pas de pirates en vue. Soudain, Tom entend des cris. Des cris horribles derrière lui. Cette fois, ce sont de vrais pirates. Des pirates affreux, sales et méchants, le sabre entre les dents. Mais Tom a du courage. Il hurle « À l'abordage !» En voyant Joe sortir la tête de l'eau, les pirates deviennent tout verts et se mettent à ramer à l'envers. Le capitaine Barbapou est tellement paniqué qu'il laisse s'envoler un précieux bout de papier. Gaëtan l'attrape au vol et le donne à Tom. Ça alors, une carte au trésor. En route, 3 km à l'est, 2 km au nord. Tom suit avec précision la carte au trésor. Tom regarde dans sa longue vue. Pas de trésor en vue. Soudain, un point brille à l'horizon. C'est une île, une toute petite île de sable blanc, perdue au cœur de l'océan. Mais c'est mon île ! S'écrie Tom. Vite ! Il débarque et se met à creuser au pied du palmier. Tom trouve un petit coffre à trésors. Dedans, il y a 3 pièces d'or. Tom garde une pièce pour lui et donne les 2 autres à ses amis. Ce n'est pas vraiment un trésor de roi, dit-il. Mais on l'a gagné tous les 3. Il saute alors sur le dos du cachalot. Et ce n'est que le début de notre trio. Allez, en route, matelot. On repart sur les flots. En voilà un trio fantastique. Dorénavant, ils forment une belle équipe. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne
activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis!